Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vous donner de mes nouvelles et du déménagement qui est en train de se préparer. Oui, je sais, ça fait un moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles. Je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo, mais j'ai pas eu le temps. Entre les déménagements, les soucis et autres, voilà. Donc, ben, tout va bien, ça prend forme, voilà, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus rien, regardez, hop, à part mes boîtes de médicaments, il n'y a plus rien dans le meuble est vide, les cartons sans préparation, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, aussi, je me suis mise sur TikTok. Donc maintenant, vous pouvez me voir régulièrement sur TikTok, je montre mes créations aussi sur TikTok. Je fais des lives, donc vous pouvez me voir en direct, voilà, en live. Carole, j'espère que tu vas mieux, que ton déménagement se passe bien aussi. Je pense que je reprendrai que les tutos vers début septembre. Mais c'est vrai que j'ai constaté une chose, c'est que en 4 jours de temps sur TikTok, j'ai quasiment autant d'abonnés que sur YouTube. Alors que YouTube, ça fait quand même 3 ans que j'y suis. Donc je pense que TikTok va faire beaucoup d'ombre à YouTube. Donc voilà. Et c'est mieux rémunéré. Hein. Je voudrais juste dire comme ça au passage. Mais bon. Moi, je fais des lives maintenant. Je montre toutes mes créations. Je voulais vous montrer aussi, voilà, je suis en train de faire un sac que j'avais acheté avec un dessous de sac que j'avais acheté sur Temu. Voilà. Mais ils sont en solde là en ce moment. Ils sont à 1,98€, je crois bien. Donc voilà, sinon j'ai fait un châle aussi. Attendez, bougez pas. Donc voilà, le châle est fini. Alors, il est très 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 long. Hein. Voilà, je crois qu'il fait à peu près 2 mètres. Je ne l'ai pas mesuré. Mais il est très très long. Hein. Voilà. On peut mettre en chèche. Hop. Ça fait un sacré chèche hein, quand même pour l'hiver. Vu que je suis dans le sud, je vais peut-être pas en avoir beaucoup besoin. Ah, j'ai failli me faire piquer. Mais bon, il est immense. Hein. Alors, je sais pas, il faudra que je me mesure. Je l'ai fait avec. Attendez que je retrouve les étiquettes. Voilà, le coton de chez Obi que Carole m'avait offert. Voilà, c'est la couleur 40. Lot 21585. Et je me suis servi de 5. Ah ben voilà, je ne sais plus. 5 pelotes, pardon. Voilà. Donc, et ben, il va aller dans les cartons. Voilà. On va le ranger. Sinon, oh, attendez, je reviens. Non, voilà. Ah oh non, j'ai pas les cheveux gras, c'est que j'ai les cheveux mouillés. J'ai pris ma douche. Oui, pour mon sac aussi, je vais mettre. Je les avais pas ouverts pour que je les ouvre. Bon, ils veulent pas s'ouvrir. Je vais lui mettre 4 petits mousquetons comme ça. Voilà. Pour les anses. On verra bien ce que ça va donner. Ben, sinon, à part ça, encore des problèmes administratifs. Voilà. Quoi d'autre? Bah, si, il faut que j'ai fini de ranger les cartons parce que ça y est, le déménagement commence mardi.
Dans la nuit de mardi à mercredi, mon mari prend la voiture avec son meilleur ami. Et voilà. On est retourné parce que je suis en train de faire quelque chose. Oui, c'est bien ce que je pensais. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Parce que j'ai pas vu beaucoup de monde sur YouTube. Donc je pense que les gens doivent être partis en vacances, ce qui est normal. J'espère que Rosalia, Arlette, Sandra, Carole, Fabienne, vous allez toutes bien. Donc voilà, donc pour les tutos, le temps que je m'installe et tout, que je reconnaisse un peu la ville, hein, parce que c'est un petit village, donc il faut que j'aille me balader, voir comment que c'est. Voilà. Je pense qu'on reprendra tout bien calé au mois de septembre. Ce que je peux faire, bah, en attendant, vous pouvez me retrouver sur TikTok. C'est Nati Création aussi. Donc, attendez. Oh là là. Voilà, comme ça vous me verrez en live si vous avez TikTok, évidemment. Et allez, c'est reparti. Voilà, c'est Nati 01 1972. Donc si vous voulez me retrouver, j'ai beaucoup de mes créations qui sont sur TikTok. J'ai pas mal de vues sur TikTok. Et je vais me faire bannir par YouTube, moi, parce que je fais de la pub pour TikTok. Mais voilà. Donc si vous voulez me retrouver, hier soir j'ai fait un live, avant-hier soir j'ai fait un live. J'essaye de faire des lives assez régulièrement. Bah voilà. Voilà les petites nouvelles. Si je voulais vous faire un petit tuto comme ça, mais j'ai pas eu le temps. Je suis désolée, une petite glace, j'ai pas eu le temps. Bon, voilà. Et la verte, elle est déjà partie. C'est le meilleur ami de mon fils qui l'a pris. Donc ça lui plaisait bien. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de choses ce mois-ci là, entre les problèmes administratifs, les rendez-vous, oh là là, j'ai été overbooké comme on dit, hein. Voilà. Donc bah voilà les petites nouvelles. Je suis en train de ranger tous mes crochets. D'ailleurs, je vois que j'ai la pochette que Sandra. Que Carole m'a offerte, il faut que je la range. Voilà. Hop, je vais la fermer parce que là, je vais plus m'en servir pendant un petit moment. Voilà. Tu vois, Carole, hein, j'en prends ça. Hein. Donc, je vais tout mettre dans mes cartons. Je suis tout bien rangé. Il faut que je range toutes mes étiquettes aussi parce qu'à chaque fois je les garde et j'en ai partout. Donc voilà les petites nouvelles. Donc si vous voulez me retrouver sur TikTok pour les lives, il n'y a pas de souci. Hein. Mais dites-moi en commentaire si vous avez des TikTok aussi que je m'abonne à vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand chose. Si qu'on a eu un orage, mais alors phénoménal la semaine dernière, j'ai eu un rideau de grêle qui est tombé devant mes fenêtres. Croyez-moi que ça fait un peu peur. Mon mari était au magasin, il n'a pas pu sortir tellement ça tombait. Il y a un voisin qui est à côté du magasin, où c'est qu'il était. Il a eu plus d'1,70 m de grêle. Donc les pompiers ils étaient en train de l'aider et tout. Les bouches d'égout se sont soulevées. Bah croyez-moi, ça fait bien, 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 bien peur. Hein. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Hein. Donc voilà, moi je vais prendre le train normalement entre le 4 et le 5 pour arriver dans ma nouvelle maison. Parce que je ne prends pas la voiture étant donné que j'ai peur en voiture. Et bah malheureusement, le déménagement va se faire petit à petit. On va avoir un mois pour tout faire. Parce que nous n'avons pas trouvé de camion, donc on fait ça avec notre voiture. Et il y a 5 heures de route à aller.
5 heures de route pour revenir. Oh, mais j'ai une tronche. Oh, ça, c'est la fatigue parce que j'ai pas dormi pendant plus d'une semaine. Enfin, dormi, façon de parler, hein, j'ai pas dormi. Si, j'ai dû dormir 2 heures par nuit encore à cause de tous mes soucis que j'ai eus. Mais bon, on n'est pas là pour se plaindre. Il y a pire que nous. Voilà. Donc, sur ce petit blabla, moi, je vais vous laisser ce petit vlog. Je vous tiendrai au courant. Je vous ferai une petite vidéo home tour de ma nouvelle maison, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai hâte d'y être. Hein. Franchement, ça va être une journée de folie quand je vais prendre le train. Parce que je pars en voiture jusqu'à une gare. Après, je reprends le train jusqu'à une autre gare. Et d'une autre gare, j'ai encore un train à prendre. Et après, j'ai un bus à prendre. Donc, je sais pas quelle heure je vais arriver. Je vais être claqué ce jour-là. Mais bon, après, je me dis que c'est un mal pour un bien. Parce que voilà, je serai dans ma nouvelle maison, dans mon nouvel appartement. Avec une cour et tout. Donc, je vais pouvoir respirer un peu. Donc voilà, sinon c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vais vous faire des gros bisous. Prenez bien bien soin de vous. Et surtout avec ces chaleurs-là en ce moment. Hydratez-vous, voilà. Carole, j'espère que toi, t'as un niveau santé, ça va mieux. Rosalia, j'espère que tu vas bien aussi, parce que je sais que tu vis une dure période et que j'aimerais franchement pas être à ta place. Je te fais plein plein de gros bisous et courage. Force, force à toi, comme on dit. Voilà. Sinon, bah les autres, moi je vais vous faire des très gros bisous. Je vais vous dire à très très vite. Je vous montrerai peut-être quand je l'aurai fini quand même. Hein, parce que c'est quand même. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est que en point jersey. Hein. Si au milieu j'ai fait une petite fantaisie. Mais. Et pour le fond, alors, j'ai pas fait une maille serrée. Dans chaque trou, je fais une maille serrée. Deux mailles serrées, une maille serrée, deux mailles serrées, une maille serrée, deux mailles serrées. Voilà. Au total, j'ai 81 mailles. Voilà. Mais il va être très joli. Et c'est avec la laine que Carole m'a offerte. Merci Carole. Bon, bah moi je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très vite. Je pense pas la semaine prochaine. Hein. Mais vous inquiétez pas, hein, je vous oublie pas. Non, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Bah non, je ne vais pas vous oublier, ma petite communauté. Et ben, je vous dis à la prochaine fois dans le nouvel appartement. Allez, gros bisous à vous, prenez soin de vous. À très vite.